Méditation de l'élément feu par Sianan. Commencez par vous installer confortablement. Et respirez profondément. Commencez à vous détendre, à relâcher les éventuelles tensions. Tandis que vous inspirez et expirez, laissez les distractions superficielles s'envoler. Songez à l'élément feu. Quels sont vos souvenirs associés au feu? Quel est votre meilleur souvenir de gâteau d'anniversaire? Avez-vous déjà pratiqué la magie à l'aide de bougies? Qu'avez-vous ressenti? Quand vous êtes-vous brûlé pour la première fois? Quel est votre souvenir préféré d'avoir contemplé un feu? Était-ce un feu de forêt, un feu de camp, un feu de cheminée? Où étiez-vous? Avec qui? Avez-vous déjà tenté de voir l'avenir dans des braises? Et votre plus mémorable coup de soleil? Votre plus beau souvenir de bain de soleil? Était-ce sur la plage, dans l'herbe, à la terrasse d'un café peut-être? Ressentez la chaleur du soleil sur votre peau et le plaisir de s'étendre au soleil. Prenez conscience des milliards de petites décharges électriques qui parcourent votre corps, le long de vos nerfs. Les impulsions électriques parcourent votre corps, depuis les extrémités de votre corps jusqu'à votre cerveau, pour vous informer de ce que perçoivent vos membres. Puis d'autres partent de votre cerveau, et ces impulsions électriques redescendent le long des nerfs jusqu'aux muscles. Prenez conscience de vos cellules musculaires, de ces milliers de cellules qui accomplissent un travail coordonné pour vous permettre de vous tenir debout et de bouger. Ressentez la chaleur de votre corps résultant de l'activité de vos cellules. Visualisez cette chaleur sous forme d'étincelles, des étincelles qui, avec votre inspiration, deviennent de petites flammes. Des petites flammes qui, avec chaque inspiration, grossissent.
grossissent jusqu'à ce qu'elles forment un véritable feu. Sentez la chaleur en vous. Entendez le crépitement du feu. Au niveau de votre chakra racine, à la base de votre bassin, visualisez une flamme. Voyez-la brûler et libérer des étincelles de lumière, comme des lucioles qui deviennent de plus en plus lumineuses. Chaque étincelle de lumière peut représenter quelque chose que vous voulez ancrer en vous, votre sentiment d'appartenance, de communauté, de sécurité, d'abondance. Prenez le temps de bien visualiser, ressentir. Puis visualisez une flamme au niveau du centre de votre bassin. Voyez-la briller et attirer à elle des étincelles lumineuses qui la nourrissent. Ces étincelles représentent ce que vous voulez attirer dans votre deuxième chakra. La passion, la créativité, le désir, le dynamisme, la sensualité. Laissez vos visions nourrir la flamme. Montez au niveau de votre plexus solaire, entre le sternum et le nombril, au niveau de l'abdomen, et visualisez une flamme. Respirez la chaleur croissante, attirant de petites taches de lumière. De quoi voulez-vous nourrir votre troisième chakra? De souveraineté, d'expression, de direction, de focalisation, de fierté de soi. Visualisez tout cela. Laissez une flamme remplir votre cœur. Permettez aux étincelles de votre désir de remplir et de nourrir le feu dans votre cœur de compassion, de grâce, de relations saines, d'acceptation, de pardon, de libération du jugement. Sentez votre cœur plein à craquer d'énergie. Montez à la gorge et laissez une flamme la remplir. Vous pouvez sentir ici, ou n'importe où ailleurs en fait, que la flamme brûle et purifie avant de commencer à remplir le centre énergétique. Plantez dans le feu ce que vous désirez exprimer.
la clarté, la vérité sans crainte, la compassion impitoyable, la place pour votre voix, l'expression avec amour. Puis fixez la flamme entre vos sourcils. Laissez la lumière aider à nourrir votre flamme, attirant, nourrissant des visions sans supposition, le détachement du résultat, la capacité à témoigner, à honorer toute création, la clarté. Établissez une flamme au niveau de la couronne de votre tête. Laissez-la croître en un grand feu, nourri par les étincelles de votre désir de relation divine, l'extase, l'union avec le divin, l'illumination. Respirez l'énergie de ce feu extatique. Et sentez cette énergie descendre à l'avant de votre corps, renouvelant les autres flammes. Et tandis que vous inspirez, laissez l'énergie monter le long de votre colonne vertébrale, nourrissant et faisant croître les autres flammes. Et pour terminer, rendez l'énergie à la terre en plaçant vos mains sur le sol. Laissez l'excès d'énergie retourner à la terre. Remerciez pour votre capacité à exprimer et à faire croître l'énergie. Après cette visualisation, vous aurez peut-être soif. Aussi, n'hésitez pas à boire abondamment.